de théâtre, c'est la Maddalena, un centre qui vient d'ouvrir, géré uniquement par des femmes, qui vient d'ouvrir ses portes le 30 octobre 1973. Il y en a une qu'on entend parler plus souvent que les autres. Elle a un drôle de prénom, elle s'appelle Dacia. On appelle ça un théâtre féministe. Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre féministe? C'est un centre féministe, c'est-à-dire il y a un théâtre géré par des femmes, dirigé par des femmes. Ce n'est pas seulement moi, il y a un groupe de femmes. Nous faisons un travail collectif. Véridique et vérifiable que la féministe italienne des années 70 est une vraie révolutionnaire.